Focus. What? What? Attends, j'ai pas raté le temps depuis le début du jeu là? Pourquoi on m'a pas dit ça? Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua. Trouve ton chemin et botte leur cul. Putain. My gods abandoned me. Mes dieux m'ont abandonné, je suis seul. Ah non, t'es pas seul, il y a les voix dans ta tête. Donc là il y a une torche à trouver et là-bas il y a une porte. Porte qui sert à quoi du coup? Et donc là il y a deux symboles. Donc les Northmen of Hell worship the devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua. C'est ça là, non? I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. Oh, c'est le... comme ça alors. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant, le R. Où qu'il est. Je suis coincé. Je suis coincé, sérieusement. Ok, donc la zone du R est là. Oh, mais là, c'est pas possible, il manque une branche. Ah, peut-être ici. Non. Le sort de mes spells s'appelle Surt, le premier des géants de feu. Son nom signifie celui qui est noir, car il semble être carbonisé. Charmant. Il fera la guerre à tous les dieux et il sera victorieux. Enfin, il mettra le monde entier en flamme. Ah. Je parle à eux. Oh! Oh la vache! Il a pas l'air très aimable, monsieur, hein? Il m'en fait bailler, quoi. Bon, comment on fait ce putain de verre, ça? Comment ça me saoule, là? Mais c'est fou, ça! One hour later. Alors on peut monter là, voilà. Après une heure j'ai compris qu'on pouvait monter sur cette putain de plate de truc de merde. Donc là on doit pouvoir faire le symbole, non? Maintenant. Tu te fous de ma gueule. C'est ça le symbole? Oh mon dieu. Cette putain de plaque. C'est une putain de plaque. Une heure, il est sous mon pif. Je le vois pas. C'est fou ça quand même. Il était... Ah oh, mais je suis passé 5000 fois dessus. J'ai pas capté que c'était un R. Moi j'ai essayé de faire un truc avec des branches comme un connard. Je sais pas, juste avant c'était avec des arbres. Je me suis dit bon bah... Bon c'est vrai qu'il y avait des ombres aussi. Alors maintenant il y a des traces au sol. En fait ouais, c'est à peu près avec tout en fait. Ce qui est possible. D'accord, très bien. Et tes petits salopios. Ah, bonjour. Wow. Putain, j'ai cru qu'on était en train de brûler là. Eh, fais gaffe hein. Faut pas jouer avec le feu comme ça. T'as pas appris ça tes parents? Moi t'avais pas très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller où? Faut aller où? Là.
Très bien, très bien. Ah! C'était quoi ce cri strident? C'est là? C'est là? C'est là? Oui? Non? Je sais pas. Te presse pas surtout. Putain, t'as jamais fait du somnambulisme, de toute façon. Hein. Tu sautes, tu cours, j'ai. Oh, tu tapes un sprint. Alors, je sais absolument pas si c'est moi qui dois diriger, mais j'ai l'impression que oui. Parce que des fois, elle se casse la gueule, mais j'ai l'impression de bien contrôler le truc pourtant. Arrêtez de gueuler! Ah, c'est par où? T'es par là! Oh, fuck! Ah! Oh la vache, comment je l'ai défoncé lui. C'est fini? Ok. Ok. On passe! Laisse-le s'effondrer et trouve le courage de pleurer, détruis ton monde. Alors seulement, comme un nouveau-né, tu verras le nouveau monde. Et j'ai pas envie de tout casser, moi. Et là, il y a une échelle. Waouh, mais c'est très space comme histoire quand même. Bonjour. Par là. Ah, il y a une porte. Je peux descendre là. Ouais. Ah. Ah, c'est tous débrûlés ça. Ou c'est juste du sol. Ok, donc là il y a juste un. Il n'y a pas juste un pays. Très bien. Alors, trouvons. Et donc là, il y a une porte. Et là-bas, il y a un autre passage. Alors, ici. C'est fermé, très bien. Là-haut, c'est la porte du coup pour s'échapper. Ah, ici. Oh, bah, il y a le P, je l'ai trouvé. Instant. C'est pas ça, tu te fous de ma gueule? Ah ouais. C'est bon, ça a marché? Oui, ça a marché. Le fou a couru dans le feu, ah ah ah, il me croyait mort, peut-être avait-il raison, mais m'en va-t-il-y ? Tout à fait. Ah merde, attendez. C'est ce symbole là, non? Ouais, c'est le symbole, mais il faut le prendre d'en bas du coup. Parce que là, il était à l'envers. C'est ça? Ai-je raison? Tout à fait. Bon, c'est pas très bien symétrique tout ça. Hein. Mais bon. Oh, pardon. Bon, le dernier, il est où du coup? Ah, c'est pour ça que je pouvais pas passer la porte. Tout s'explique. C'est le drapeau, non? Peut-être avec ça. C'est faux. Ah, attendez, attendez. Si je fais ça. Nice. Et là, la porte est ouverte. Y'a pouce. Encore un hôtel. Si je peux survivre au feu de sûreté, échapper à mes ténèbres, toi aussi. Thank you.
c'est lui sûr qu'on arrête pas de voir là, c'est stylé quand même. Cours. Run. Dites-moi que c'était fait exprès. She's dying. Oh non merde, c'était pas fait exprès si. Alors le feu il est que derrière mais tu brûles de devant toi, tu brûles bizarrement. On est morte. C'est la fin du jeu. I'm sorry. Darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. C'est Jillian qui nous parle? We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Ouais, je crois que c'est son cher et tendre Dillion. I believe in you. You know that. Just c'est bon. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. Dis-moi que tu vas revenir. Ouais, on dirait qu'il y a un fantôme qui me tient. Enfin, on dirait que c'est nous, le fantôme. C'est chelou en fait. I will come back to you. I promise. Come on. En fait, c'est totalement nous. En fait, tous les trucs à qui elle parle, c'est. On... D'accord. On est plus crabe. Oh putain. Oh putain. C'est lui, Surt? Oui, je crois que c'est lui. Bon, d'un côté, je le voyais plus grand, ça me rassure un petit peu. Mais il fait un peu peur, putain, on dirait un boss de Resident Evil, le machin, quoi. Viens, je vais te péter la gueule. D'accord. D'accord. Subition des dégâts, zéro. Putain, j'espère que c'est pas des boss à la Dark Souls, sinon je suis dans la merde, hein. Faut faire quoi? Ok, il fallait juste le taper. Ah! Ah! Esquive! Putain, mais ils sont super stylés les combats. Par contre, ouais, c'est vraiment des putains de gros boss quoi. Les mecs ils bougent pas, ils s'en battent les couilles. Hein. Boum! Ah merde, j'ai cru qu'il était mort. What the fuck? Focus! Boum, je te plante! Oh le con! Yeah. Oh, nice. Focus. Oh, on l'a tué. Attention, ça brûle. C'est tellement stylé. Bon, maintenant on peut arrêter le temps. Je sais pas pourquoi, comment.
Maintenant qu'on a ouvert un symbole. Maintenant, il faut aller battre Mystery Legion, là, c'est ça? Oui. Pour chaque bataille remportée, une bataille plus grande encore prend sa place et ainsi de suite jusqu'à notre chute. Moi j'ai dit ça en mode. Sans émotion. Putain, notre chute est inévitable. Même pour les dieux, et pourtant, nous continuons. Pourquoi? Sensez l'intonation. C'était trop stylé le combat contre le boss par contre. Bon, il est un peu violent, il cru que j'allais mourir. J'ai fait une promesse, j'irai à elle pour la tenir. Sous-titre, je meurs libre sachant que tu emportes mes histoires avec toi, j'ai accompli ma quête. I have fulfilled my quest. Yes, you have. Darkness come. I'm found. Guide you. To guide you. In this life and the next. To fulfill yours. Then I will see you. Du coup, nous, on était amis avec lui à la base. Ce que j'ai compris, vu qu'on on écoutait ses histoires quand tout le monde l'envoyait chier. In the eye, as I have. Ouais, bon, on a déjà battu un titan de feu, quoi. Il était pas mal. Je m'attendais à plus grand, je suis un peu déçu. Je m'attendais un peu à, c'est vrai, à du boss comme dans God of War. Mais en vrai, c'était quand même ultra stylé et ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a son cadavre? Non. Oh, c'est nul. Parce que j'aurais bien aimé prendre son épée de feu. Genre, toi, un système de loot, ça aurait été cool ça. Ça aurait pu être très sympathique. Druth était un homme perturbé, un érudit devenu esclave. Ils l'ont torturé, emmené dans leur raid, poussé à la folie, répandant ses nouvelles ténèbres sur d'autres mondes, sur le mien. Répandant ses nouvelles ténèbres. Ça dit ça, je suis pas sûr. Si c'est ce qu'il racontait sur elle était vrai, alors ça en était la source. Elle a pris ce qu'elle put auprès de lui et elle fit ce qu'il voyait. Je sais pas du tout où je vais, c'est par là. Oui. On parle à ses noix. Est-ce qu'elle nous parle à nous? Est-ce que nous on est en même temps une voix un petit peu schizophrène qui entend d'autres voix? J'y sais pas. Que tu es un imposteur, plus rien n'est plus jamais. Ouais, j'ai lu à la moitié du truc parce que je lisais dans ma tête à la base. Tenua est déjà morte 3 fois, elle mourra à nouveau, c'est certain. Ah, oui, quand même, elle est morte 3 fois et elle ressuscite à chaque fois. C'est pratique. Donc là, on est revenu à la porte, mais vous avez changé, vous non? Aïe, oh petit con. Calme-toi. Mais il est super tanky, mais da fuck. Ah ouais, mais lui en fait il s'en bat les couilles que je tape hein. Ok, ils sont deux. Est-ce que ma vie régène ou pas du tout? Oh, on a les deux. Je suis mort. Oh fuck. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, faut juste spammer les touches. Mais il est mort l'autre. C'est bon, j'ai régénéré ma vie, je sais pas pourquoi mais... Attends, mais ils sont trois. Ah, est-ce qu'on peut focus là? On peut ralentir le temps. Alors pourquoi? La vraie question c'est ça, pourquoi? Eh non, c'était un pas sur le côté, haha! Ouh fuck.
Ah. Bon, ouais, tant pis, je refocus. Hein. Je sais pas pourquoi, mais. J'espère qu'on l'a fini parce que sinon. Claquer ça pour ça. C'est pas folichon. La porte ne s'ouvrit pas, elle doit passer la deuxième épreuve. Drut a dit à Valva, à Valvravn, à Valravravn. J'ai pas lu la suite parce que ce nom m'a perturbé. Un ventilateur, bonjour. Je vous dis à dans 2 jours pour la suite pour battre Valmeran, le dieu de l'illusion. À la prochaine!